Ou chercher bonjour nouvelle, nouvelle sans passe pour qui, nouvelle ici avec l'autre Bodlo, analyse, débat, commentaire, interview, tout ça yo wap junior, yon seul côté, yon channel, yon pays, fais à la caille, channel information, hein, c'est yon devoir pour nous capables d'informer, parce que information, c'est métier nous. Nous pouvons retransmettre pour vous, journal créole télévisé La Voix de l'Amérique, cap émettre depuis Washington, D.C. Actualité en Haïti, mobilisation étudiants aura poursuivre pour un cinquième jour. Jeudi vendredi, étudiants faculté de médecine et pharmacie rejoignent étudiants école normale supérieure pour continuer à demander justice pour collègue Grégory Saint-Hilaire. États-Unis, élection 2020, campagne président Donald Trump et campagne ancien vice-président Joe Biden, d'accord pour commission de débat présidentiel là, renvoyer débat 15 octobre là pour 22 octobre, mais ils n'ont pas entendu pour un troisième débat. Et puis, prix Nobel la paix 2021 a joint PAM, Programme alimentaire mondial Nations Unies, pour performance li dans la lutte contre grand goût à travers le monde. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacques-Léon Bélizère pour Rendez-vous Info, La Voix de l'Amérique peut mettre depuis Bellsville dans l'État américain. Jeudi, c'est vendredi 9 octobre 2020. C'est dernier sorti Rendez-vous Info pour ce maintenant. Donc, nous comptons avec vous pour nous actualité à une actualité qui a focus surtout sur les États-Unis avec Haïti. Et nous avons commencé le programme aujourd'hui avec une bonne nouvelle surtout pour la famille Figaro. Et bien, petit docteur Grégoire Figaro, en parlant de docteur Igor Mirto Figaro, et bien, il joue une libération hier soir après bandit et kidnappé lundi soir dans la zone Dikini. D'après ça, docteur Figaro confie nous dans le téléphone. Ravisseur, tu es bien traité. Igor Mirto Figaro, et dans la photo, nous capables, c'est ça qui pille fort là avec le maillot qui marquait Jésus Soulia. Donc, il était avec Frel, qui sont l'autre médecin tout, qui c'est Grégory Mirto Figaro, donc son famille de médecins, et papa qui c'est docteur Grégoire Figaro, qui sont médecins, et puis Igor Mirto Figaro, qui c'est lui-même ravisseur de Kembe pendant quelques jours, depuis lundi soir jusqu'à hier soir. Et puis, et frère là qui avait là, Grégory Mirto Figaro. Donc, c'était un gros soulagement, un gros fête dans la famille hier soir. Et nouvelle a tombé hier soir, bien tard. L'autre point dans l'actualité, mobilisation étudiants au terrain poursuivre jeudi pour un cinquième jour. Et étudiants faculté médecine et pharmacie te rejoignent étudiants normal supérieur, école normale supérieure, pour te continuer à réclamer justice, il a même parlé de vengeance pour collègue Grégory Saint-Hilaire et te gain en pile tension dans Port-au-Prince l'autre fois encore pour cinquième jour et gain moun qui prend balle, gain tribunal qui boule. On a eu ensemble une idée sous manifestation aujourd'hui. C'est pas parce que nous croyons bien justice, mais nous pensons que le régime ça qui là, c'est pas la force, c'est force, ils comprennent, c'est bouler caoutchouc, c'est craser machine, ils comprennent. Et bien si c'est voir ça, ils comprennent, nous prêts pour nous passer par voir ça, pour nous jouer une justice pour Grégory, parce que Grégory c'est un camarade lité, l'étape goumé pour un barré qui juste. L'idée de l'éducation, l'idée de le partager, on ne peut pas mourir pour ça. Non, n'importe pays côté mon a fait pays. Donc, on ne peut pas mourir parce qu'elle voulait partager l'éducation qu'elle recevait. C'est pour ça, nous-mêmes étudiants de la faculté de médecine, nous prenons la RIA, nous disons, ça ne pas doit faire, aux étudiants pas qu'il doit mourir pendant qu'ils voulaient partager connaissance qu'elle recevait en l'université de l'État, côté l'État payé pour lui pour lui recevoir la formation. Merci. Et l'élève qui même qui pas quoi dans la justice, c'est vengeance qui a fait, est-ce que nous-mêmes nous. Normalement, nous vivons dans le pays côté que chaque monde qui mourit, il dit enquête là pour suivre. Donc, pourquoi j'aime bien un pareil qui concret, qui fait vrai, pour dire que un tel est une justice. Normalement, nous voulons que, être comme assassin qui tire Grégory à lui-même, c'est au IGPN, ça veut dire enquête là qui est en ciblé. IGPN n'a pas ni 2 000 ni 3 000 agents. Donc, il doit fermer, jouer ne qui tire Grégory, arrêter. Condamner comme ça doit. Je veux dire, nous comment comprendre le mouvement et puis dire autant depuis après le mort de Grégory Saint-Hilaire. Vous pensez que ce mouvement est légitime et vous pensez que tout le pays, ça fait là, il va faire des histoires nous. C'est pour la première fois que nous pouvons être criminels pour permettre pour assassiner à l'assassiner les gens.
étudiants en école supérieure. C'est un peu inédit. Nous pensons que nous devons faire ça, c'est qu'on l'a là. Nous devons soulever, prendre nos doutes. Nous devons soulever, et c'est tout. Nous devons le récupérer. Et tout pays, nous devons unir force nous pour que nous arrivions rapidement. Destiné pays. Notre fois encore un coup image montrer la police a utilisé gaz lacrymogène pour gayer manifestants yo, et pendant ce temps gagné yon étudiant qui présentait tête li comme étudiant et qui victime de yon balle li dit recevoir yon balle nan main yon policier et li tal recevoir soin dans l'hôpital général donc l'hôpital université d'état d'Haïti et correspondant à Port-au-Prince Massiado Vilmé te parlé avec victime nan. Pendant m'am nan faculté m'am travaille avec quelques étudiants au niveau de on devoir mémoire pour me remettre et pendant que je quitte l'école là qui dans rue Robin m'apprend pour aller pour m'apprendre machine sur toujours parce que c'est toujours m'habiter mais c'est toujours et pas toujours m'habiter nous autres c'est bon Canada pour monter pour m'aller prendre camionnette pour m'aller à Caïman et comme ça tout me croiser manifestation au gaz m'a couru pour m'aller à Caïman bon négro déclenche balle bon on prend balle au niveau de poète droite moi au niveau de coup droite moi ok. Où on est que m'a respiré bah ok puis une égoutte déclenchée c'est sur une égoutte boum et tout ça boum pour un bagage qui juste et voilà mes résultats pendant que moi-même bas même dans mouvement c'est croisé me croisé avec mouvement mais victime de mouvement ok non je crois sur cette manifestation ok pour en fin de compte c'est tout ça boum pour un bagage qui juste pour un étudiant grand bal qui est en cette faculté yo. C'est que ça qui arrive. Étudiant a gommé pour un bagage qui est réel et gommé à faire. Il a gommé pour étudiant l'État seulement. Ni privé tout. C'est moi-même tout le monde privé, victime. Et moi-même qui dans l'État. Ok? Ce qui est là, il y a demandé pour tout côté net et pas seulement pour l'État. Privé, doué, gain. Oh, on est que m'a inspiré, m'a. M'a demandé pour gommé qu'a fait là. Pour aller mieux. Ok? Et pas gommé personnel lié. Sauf gommé pour tout net étudiant. Premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième année. Et moi-même, comme dans la quatrième année, dernière année, même travail pour mon mémoire sorti, bon, même victime d'un bal, pour moi faire le travail. Et bien, si Dieu veut, je vais faire un séminaire et pour moi faire une épreuve orale. Je vais faire des bagages ça. Oui, je me souviens correctement. Mais seulement que le docteur a regardé pour ces balles-là au niveau de port. Moi, il fait la radiographie pour moi. Il y a la radiographie pour ces balles-là toujours dans le port, mais ou non pas. Donc, dans le micro, correspondant à nous, Massiado Vilmé, c'était un étudiant qui est victime. Et qui prend yon bal et qui t'a pour recevoir soin dans l'hôpital général. Toujours dans même jeudi, vendredi, ça, et bien, gagné et tribunal section sud et Port-au-Prince là, qui boulait presque rapiété malgré intervention et sapeur-pompier. Et d'après nouvelle, t'as semblé que tribunal là, t'es recevoir un pile coup de roche avant que finalement, li boulait. Nous gagnons témoin qui dit que t'es vive situation. L'inamico, correspondant à Port-au-Prince, Massiado Vilmé. Moi-même, moi, c'est Maître Frankel. Alors, moi, c'est un juriste. Et étant donné qu'il m'a affecté dans le tribunal là, nous sommes vraiment dans le carré jugement, nous avons fait qu'il t'a vraiment attendu. Et pendant que l'attendu, c'est immédiatement un rempli de roches qui a sorti de nulle part, et puis tout a tombé sur le tribunal là. Et c'est curieux pour ne pas être ça qui vient, l'un gardé, moi, son groupe, jeune garçon, cagoulé. Et qui n'est pas même capable d'identifier et de tirer sur le tribunal. Là. Bon. Non, pas contre qui est ce. Tout simplement, il y a donc après revendiqué de la mort et collègues qui mourent, des étudiants pareils qui mourent. Même pas qu'à deux, est-ce que c'est vrai? C'est, alors, c'est même étudiants pareils, Grégory qui a fait action. Pas connaît. Mais tout simplement, tout le monde qui a fait action, il n'a pas qu'à identifier pièces. Moun. Et c'est alors, immédiatement, Roche a tiré sur le tribunal là. Après vraiment tant d'efforts, nous sommes arrivés et papiers. Mais cependant, une série de monde qui étaient toujours dans le tribunal là, malgré ça, nous sommes différents dans le tribunal là, ensemble avec tout le monde. C'est quelques minutes après les flammes ont monté, puis nous avons des gens qui ont apparu dans le prostrat. Nous avons l'autre bruit encore, puis nous demander qui était le monde qui a sorti. Et après ça, nous, malgré que nous sommes sortis, nous continuons à tirer sur nous. Bon. Nous ne connaissons pas pour qui raison, mais tout simplement, ça qui est revendiqué, c'est la mort.
Grégory qui a revendiqué et c'est ça qui pousse yo fait acte d'après ça que yo même dit mais c'était toujours monde qui n'est pas jamais capable privé identifier qui fait action. Donc c'est plus ou moins ça qui passait dans journée vendredi 9 octobre ça côté étudiant yo une autre fois encore te prend la rue et y a réclamé justice pour camarade yo en parlant de Grégory Saint-Hilaire nous connaît qui était mort vendredi qui s'est passé là dans local école normale supérieure. N'a pas pause avant nous entrer dans dossier et assassinat maître Montferrier Doval qui toujours dans actualité. On va suivre rendez-vous info, moi c'est Jacques Belizer. Et oui, rendez-vous info tant que nous te promettons nous n'a pas entrer dans dossier maître Montferrier Doval là, et ben c'est une enquête qui a avancé selon et conseil l'autre avocat Port-au-Prince. Et puis, on l'autre côté, conseil là, condamné agissement CSPJA qui était interdit avocat yo entrer dans cour de cassation 5 octobre qui se passait là, dans occasion ouverture travaux judiciaires. Un reportage, Yves Manuel, depuis Port-au-Prince. L'autre avocat Port-au-Prince, dans le cadre d'une conférence pour la presse, Libaye, m'a demandé explication sur ce qui était passé lundi 5 octobre là, dans occasion ouverture année judiciaire. Là. Côté, il a été empêché d'entrer en dans le tribunal. Là. Maître Paul Raphaël Cadet, qui se porte-parole conseil barreau, hein, pour un petit bout de temps, dénoncer attitude juste la cour avec responsable conseil supérieur pouvoir judiciaire hein, qui montre au maré dans pied table exécutif. Là. Cette situation étrange et inédite plonge le barreau dans la confusion la plus totale. C'est une comédie montée au détriment des magistrats debout et assis et des avocats. Car ces derniers n'ont pu y prendre part que par délégation. Le barreau de Port-au-Prince se pose des questions, réclame des explications des autorités judiciaires dont l'attitude inappropriée laisse planer de grands doutes sur la volonté réelle du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'exercer sa mission étatique en toute indépendance. Loin de mettre les principaux concernés au premier plan, l'ouverture des tribunaux du lundi 5 octobre 2020 n'était rien d'autre qu'une cérémonie d'honneur aux dignitaires du pouvoir exécutif. Le Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince dénonce les écarts du président de la Cour de cassation qu'il juge attentatoires aux liens qui unissent les membres du système judiciaire, en l'occurrence les avocats et les magistrats. Yon l'autre côté, conseil a été opiné sur avancement dossier maître Doval. Dossier a qui sorti dans la direction centrale police judiciaire pour aller dans le cabinet instruction. D'après porte-parole conseil Barreau Port-au-Prince, maître Paul Raphaël Cadet qui fait annonce dans un tribunal première instance, il vient en distribuer dossier à la juge Renaud Régis. Le dossier de maître Doval évolue de la DCPJ et du parquet. Le dossier est maintenant déféré devant au cabinet d'instruction et le doyen en a fait la distribution. Le greffe du magistrat Renaud Régis a confirmé la réception du dossier. Deux des inculpés seront instamment extraits pour leur audition. Yves Manuel, depuis Port-au-Prince, pour la Voix de l'Amérique. Merci Yves Manuel, toujours dans l'actualité concernant le pays d'Haïti, responsable bureau avocat international maître Mario Joseph annoncé participation ni dans un sommet semaine qui vient là dans l'université Harvard sous 10e anniversaire introduction maladie choléra en Haïti. Intervention monsieur Joseph là pral chita sous plusieurs points tant cou réticence Nations Unies pour reconnaître responsabilité juridique li dans maladie choléra dans pays d'Haïti. Maître Mario Joseph. Dans cadre événement ça, université Harvard a organisé pour marquer 10 l'année depuis Nations Unies empoisonné Haïti à choléra. M'a bien pour me faire une intervention et m'a abordé trois points ça yo. Comment Nations Unies nie dans un premier temps responsabilité qu'elle te porté choléra en Haïti. Et puis dans un deuxième temps comment victime choléra yo ak avocat yo trouvé yo face à un obstacle judiciaire. Les la justice américaine déclaré Nations Unies gain immunité alors que
même jan convention sous privilège ak immunité Nations Unies, m'a parlé là de convention 1946 là qui baille Nations Unies et immunité. Mais il exige le tout pour le bail recours de dommagement à civil qui victime négligence Nations Unies. Et puis comment Nations Unies pas respecter article 55 dans accord de siège là, en anglais on dit SOFA, alors Status of Force Agreement. Et il pas respecter article 55 là qui dit pour mettre en place une commission permanente de réparation. Il y a article 55 dans accord de siège là, ni l'État haïtien ni Nations Unies pas jamais mettre en place. Alors que Koulia Gimoun Kap dit, et victime yo, demande de justice yo li prescrit. Li pa ka prescrit. Pour le prescrit, faut que tribunal la ta, te la. Ou pa jamais tribunal la. Pa ka pas de prescription. Pour que tribunal la, tribunal la pou jamais mette en place. Donc, nous pral et disparler sous ça. Deuxième point, dans l'intervention ma fait dans l'événement sa ka fait dans la université, nous pral parler nécessité pour Nations Unies reconnaître responsabilité juridique. Et puis, consulter les victimes, dans l'idée pour les victimes, joindre justice à réparation, dans le respect de l'amour. M. Marie-Joseph, c'est responsable bureau, avocat international. Semaine lundi 5 pour arriver vendredi 9 octobre 2021, l'ouvrir avec l'année judiciaire 2020-2021, côté en présence président Jovenel Moïse, Premier ministre Joseph Jout, président pour cassation, M. René Sylvestre, qui c'est tout président conseil supérieur pouvoir judiciaire, CSPJ, annoncé pas trop longtemps, il a mis l'ordre dans la magistrature. Le CSPJ, dans quelques jours, va sortir une liste de 30 magistrats, dont 17 sont certifiés et 15 non certifiés. Dans l'occasion ouverture l'année judiciaire, ça a, M. René Sylvestre t'a empêché avocat entrer pour participer dans la cérémonie. Avocat t'a profité organiser une marche pacifique pour dire non à l'insécurité et pour demander justice pour plusieurs citoyens nèg armés assassinés en Babal, notamment M. Montferrier Doval, ancien bâtonnier l'ordre, avocat Barou Bandobensio. Tout citoyen joue une justice. Nous voulons justice pour mettre en premier d'envoi. Justice pour étudiants de Boris Saint-Hilaire. Justice pour tout citoyen qui tombe en Babal à sa mort. Dans le cadre de l'application loi 6 mars 1995, l'administration Moïse Joutlan révisait à la baisse prix carburant sur le marché national. Côté prix gazoline qui tape 224 gouttes, à 20 pour Kounia 201 gouttes, soit une différence 23 gouttes par gallon. Diesel là, qui tape 179 gouttes à 174 gouttes, soit une différence 5 gouttes. Kérosène là, rete même pareillement à 173 gouttes, mais juste ça pas concerné gaz propane là, moun yo utilisé en pile pour faire manger. Abel Loriston, un militant politique, dit li pas satisfait parce que gaz là ka descend toujours. Et pas on dollar des dollars pour retirer non. Parce que sur le marché international, gaz a descend et bas prix net à 33 dollars. Et bah, ma vezot, et ma kwa, pour qui raison? Pour nous même en Haïti, nous pas ralons souffle. Ensemble, organisation politique opposition, t'es organisé un sitting devant le local ministère commerce et industrie pays d'Haïti pour demander de descendre prix produits, bien et services. Sous toute étendue territoire national. Les gens qui affichent plus produit en goutte, ils affichent toi à 123 gouttes pour $1 américain. Je dis, nous demandons pour prix produit importé indistinctement baissé et parallèlement avec dollar qui baissait à 60, 62 gouttes pour $1 américain. Parti politique Génération 18, PPG 18, gagne un nouveau président en tête. C'est ancien ministre. Condition femme avec droit femme, Evelyne Saint-Ville qui remplaçait M. Wilson Joseph. M. Joseph plaidait en faveur d'un accord politique en classe politique avec le président Jovenel Moïse dans le cadre d'organisation
bon genre élection dans le pays d'Haïti. Question élection sans condition sine qua non, qui veut dire président Jovenel, toutefois que je voulais entrer dans l'élection, il faut qu'il négocie avec le secteur politique là. Perspective pour la semaine prochaine, étudiants en dans l'université de l'État annoncé qu'ils continuer à occuper le béton hein, jusqu'à ce qu'ils jouent justice pour collègue Grégory Saint-Hilaire qui était mort en Babal nek amé. Bon week-end tout le monde, moi c'est Wena Toussaint pour La Voix de l'Amérique depuis la capitale haïtienne, Port-au-Prince.